Le 1 janvier. Hello! 23 décembre! Joyeux Noël! J'espère qu'il n'y a pas de monsieur Côté dans la salle pour pas qu'il se prenne ça personnel! Donc, c'est notre dernier live 2020 aujourd'hui, à nouvelle heure, comme j'avais dit la semaine dernière, donc un live à midi au lieu de mon heure habituelle de 14h30 parce que c'est ça, on voulait prendre le temps de faire un live avec vous, prendre le temps de vous jaser aussi, de faire des tirages de cadeaux. Et c'est ça, on veut aussi terminer la journée un petit peu plus tôt parce qu'on a eu une belle grosse semaine et je veux aussi qu'on puisse passer un beau moment en famille avant que la pluie arrive dans le décor. Donc, allô tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous êtes dans l'ambiance des fêtes ou pas. Mais c'est ça, malgré tout le Noël qu'on va avoir cette année, on s'empêche pas de bien s'habiller, de se trimer un petit peu, parce que c'est bon pour le moral, puis c'est ça, ça fait du bien, on a besoin, là. Hier, j'avais eu une journée vraiment un peu pouet-pouet, puis à un moment donné, j'ai décidé d'aller prendre une petite marche, histoire de aérer mon cerveau, et en allant marcher, il y a un pick-up, qui a passé avec la grosse musique de Noël. Il y avait le Père Noël dans la boîte de pick-up avec la Maman Noël. Puis il souhaitait vraiment un joyeux Noël. Puis ça m'a tellement fait du bien de voir ça. Ça a tellement mis de joie. Fait qu'en tout cas, si on peut des fois juste apporter de la joie de même à des inconnus, ben c'est tant mieux. Donc, allô tout le monde. Allô, allô, allô. Antoine, est-ce que tu es là? Je sais pas si t'es arrivé encore. Si oui, fais-moi un signe. Je parle à Antoine précisément parce que je veux dire quelque chose tantôt par rapport à lui. Donc oui, je suis en feu. On a eu une belle journée. Je me suis levée très tôt. Je me suis fait réveiller très tôt. J'avais un tracteur à mes côtés. Il ronflait pas pire. Puis tant qu'à être réveillée, ben, je me suis mis à penser à mes bouchées que j'allais cuisiner aujourd'hui. Puis j'avais déjà décidé qu'est-ce que j'allais faire. Puis là, cette nuit, c'est ça, je pensais à ça. Ben, cette nuit, ce matin de bonne heure, je me suis mis à penser à ça. J'ai dû retourner à l'épicerie tantôt parce que j'ai changé d'idée encore. Je suis de même dans la vie. Je suis pas capable de me brancher, comment on dit ici en basse. Alors, Antoine est là. Donc, pour ceux et celles qui vous êtes des habitués à nos lives pop-up, vous savez qu'Antoine est de la France. Vous savez que c'est pas mal un de nos seuls hommes du Popote Live. Et vous savez qu'il sait que je cuisine souvent avec du sirop d'érable, mais pas aujourd'hui. Et Antoine, il y a eu une année assez particulière. C'est un infirmier pour les personnes atteintes de la COVID en France, je me rappelle bien, Antoine. Et hier, il m'a annoncé qu'ils attendent leur premier bébé avec sa femme. Donc, on fait un gros bravo! Yeah! Un petit bébé qui s'en vient. Puis c'est ça, Antoine ne veut pas au fil des lives, j'ai appris à plus se connaître. Fait que je suis full heureuse pour ce couple-là qui attend leur premier enfant. Donc c'est une super de belles nouvelles, je trouve que c'est le fun des belles nouvelles comme ça. On a besoin, avec l'année pouet-pouet qu'on a, là, on a besoin de se rappeler les belles choses qui peuvent se passer malgré tout le pas beau. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Fait que si vous voulez écrire des gros félicitations, faire full de cœur pour Antoine et sa femme, faites-le. Je pense qu'il va être bien content. Peut-être même gêné, timide. Donc, félicitations Antoine pour le bébé à venir et à ta femme.
On est très, très contents. Fait que tu nous diras ce qui se passe, là, à part que ta femme, elle a des gros cravings de cornichons ces derniers temps, et qu'elle a une vessie d'écureuil. C'est ça que tu m'as dit hier, hein, je pense. Bref, donc, je suis super contente pour ces deux personnes-là. Et c'est ça, on va faire tirer des cadeaux aujourd'hui, dont deux entreprises, une nouvelle que j'ai découvert. En fait, c'est un auteur que j'ai découvert grâce à une amie qui m'en a parlé. Et un autre produit aussi pour les madames qui aiment ça s'habiller. Genre comme ça. On va avoir un beau cadeau à faire tirer aussi là-dessus. Donc, si vous voulez gagner un des prix, être éligible au tirage, c'est simple, vous partagez et vous commentez le live qui se passe présentement là. Donc, là aujourd'hui, je suis toute en brillance, même les boucles d'oreilles. Je suis vraiment toute brillante. Je parle en brillance, là, pas brillante du coco. j'ai voulu me mettre sur mon 31, c'est 36? 36? 31? C'est 31 ou 36? Hey, je sais pas. Je me suis mis chic parce que j'en avais le goût. Ça aurait été facile de m'habiller en mou, surtout avec le froid qu'il y a. Mais j'ai voulu me mettre chic pour être dans l'ambiance du temps des fêtes. Et je porte ici une super belle création de Ella. Vous savez, je tripe sur son entreprise. Je suis une fan, une consommatrice de ses vêtements. Puis ça, c'est une robe, là, avec un beau dos de même, là. Ouais, j'ai un tatou. c'est ça, c'est vraiment une robe, mais, tu sais, super confortable. Je vous le dis, là, on dirait quasiment qu'on est dans une jaquette. C'est hyper confortable, puis tu sais, c'est pas super ajusté. Fait que si je me bourre la fraise pendant le temps des fêtes, bon, j'ai un petit lousse. Puis on a des belles manches chauves-souris, fait que je trouve que ça l'avantage toutes les tailles, ça, personnellement. Donc, une belle robe qu'elle va... qu'elle a créé cet automne. Et demain, elle l'a. Si vous la suivez pas, je vais mettre un lien après. Mais elle l'a demain, elle fait un live un 24 décembre. Ils sont vraiment hot, les filles. Elle fait un live demain avec full le prix à gagner, des certificats cadeaux. Fait que vraiment, allez la suivre sur Facebook, là. Elle est vraiment cool, Alex, là. Elle a vraiment du talent. Elle est dynamique, elle est funny au coton. Fait que, allez la suivre demain pour peut-être gagner plein de ses beaux vêtements. Donc, bon, les deux sont bons. Fait que c'est 31 ou 36. Le monde n'a pas l'air de trop savoir mon... 31. Un petit tablier. Oui, peut-être. Donc, 31. On va dire que c'est 31. Donc, je vais faire mon premier tirage quand on va être rendu à 350. Puis, ça va arriver vite. Je sais, vous êtes bons, vous êtes bonnes. Donc, on va commencer avec une recette, OK, que j'ai changée 10 000 fois dans ma tête au courant de la nuit. C'est une croquette de fromage et ses accompagnements. Donc, on va cuisiner ça, je vous le dis, c'est super simple, ça va se faire rapidement. Et c'est sûr, ça va être bon, c'est du fromage. Fait que clairement que ça va être super bon. En entrée, ou même en plat principal, là, avec quelques accompagnements, là, ça serait super bon. Donc, pour faire les croquettes, qu'est-ce que j'ai? Là, je l'ai mis dans un sac, là, parce que c'est ça, je suis comme limitée en plat. J'ai du... Je vais peut-être me rouler les manches un peu, hein? Je voudrais pas salir ma belle robe. Que je vais sûrement mettre le 25, parce que, tu sais, je veux pas, on sort pas fou, là. Je mettrai pas ça pour jouer dehors avec des enfants. Donc, j'ai du fromage de Rémi ici que j'ai coupé en rondelles. Donc, à peu près, moi, en pouce, je suis pas bonne, là. En ça de pouce, OK? Donc, une rondelle, là. Pas trop mince. Faut quand même qu'elle ait une belle épaisseur. Donc, j'ai deux paquets ici de fromage de Rémi. Ça peut être de la lumière. Tu sais, tous les fromages à gris, ça fait en masse la job, OK? Donc, moi, c'est le Doremi que j'ai pris. Donc, j'ai deux paquets de fromage que j'ai coupé en rondelles, comme je vous ai dit. Ici, j'ai de la chapelure panko. Là, les quantités, là, je vous le dis, j'ai été pas mal à l'œil, là. Donc, si on a facilement une tasse et demie, deux tasses de chapelure panko. Ici, j'ai de la farine tout usage. Donc, encore ici, une tasse et demie de farine tout usage. Et j'ai ici des œufs battus. Là, vous allez voir, c'est super simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de vous reculer pour que vous puissiez mieux voir si c'est possible. Ouais, ça marche bien, mon affaire. Je veux juste pas que vous tombiez l'autre côté du comptoir. Donc, ça, c'est vraiment une base pour faire tout ce qui est croustillant.
que je fais très souvent. Soit dit en passant, parce qu'on est des amateurs de croquettes à la maison. Trois enfants, ça aime ça, les croquettes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est, vous allez voir, c'est super simple. Là, c'est l'étape la plus longue, là, mais la plus salissante. Fait que gardez-vous une main propre, puis une main qui va être beurrée comme du monde. Donc, oh non, aujourd'hui, je dois aller travailler. Tu le réécouteras ce soir. Partage puis commente avant, des fois que tu gongerais. Donc, on trempe chaque morceau, on l'enfarine pour débuter. Donc, on le met dans le plat de farine. Là, je me suis mal pognée. Là. Attends, on va faire ça comme ça. Voyez. Donc, dans la farine, on l'enrobe partout. On secoue le petit excédent qu'il y a de farine. Je vais essayer de vous... Ouais, comme ça. On secoue. Ensuite, on... Dans les œufs. Donc, encore ici, on l'enrobe partout, sur les côtés, toutes les surfaces, pour être bien sûr. On laisse écouler le surplus. Et évidemment, on finit ça dans la chapelure panko. Ça pourrait être aussi de la chapelure régulière, marquez bien, là. Il n'y aurait pas de souci avec ça. Et si vous voulez une croûte plus épaisse, vous pouvez faire l'étape 2 et 3 une seconde fois. Donc, si vous voulez de quoi plus épais, vous replongez dans les œufs battus et vous replongez dans la chapelure panko. Mais pour moi, c'est assez comme ça. Donc, on fait ça avec toutes les autres rondelles. Donc, je vais en faire quelques-unes pour vous montrer que c'est bien, bien simple comme recette, là. Mais ça va être cochon. Hey, 400 personnes! C'est le premier live qu'on attend 400 personnes? Oh, c'est bien cool! Donc, je recommence. On doré-mi dans la farine. On secoue. Doré-mi dans le mélange d'œufs battus. Puis je vous le dis, là, gardez cette main-là propre, parce que sinon, vous allez ressembler à avoir une main propre. Dans la chapelure panko. Et ainsi de suite avec tous les morceaux de doré-mi. Et comme je vous disais, si vous voulez faire de quoi de plus croustillant, puisque vous aimez ça les croûtes, on replonge puis on le refait dans la panko. Donc, je vais en faire deux, trois derniers. Oui, ça va être bon. Puis les accompagnements dessus, là, ça va être beau, simple. Puis je vais donner deux versions, OK? Parce que là, je ne me branchais pas, je vous l'ai dit, je me branche pas dans le vie. Mon restaurant, là, ça me prend une éternité faire un choix. Dans le temps qu'on pouvait sortir, là. C'est ça. Moi, dans la vie, je suis de même. Je sais pas, je suis toute seule, là. C'est nous qui ont de la misère à faire des choix dans la vie. Mais moi, définitivement, je suis comme ça. Au malheur de mon mari, qui des fois trouve que c'est long. Un peu mon affaire. Donc, je continue à faire mes croquettes de doré-mi. Ça, je vais en faire deux autres, puis après, on va être bon pour aller faire frire ça. On est cochons de même aujourd'hui, nous autres. C'est le temps des fêtes. On a le droit. OK? Donc, en plus, on n'a pas 10 000 réunions de famille, là, on s'entend. On n'est pas supposé en avoir non plus. Donc, on peut se faire quelques bons petits soupers gourmands, en amoureux, avec les enfants. Puis ça, c'est sûr, les enfants vont aimer ça. Je veux dire, c'est des croquettes de fromage. Hein? C'est dur à battre, là. Donc, puis pourquoi j'étais avec le doré-mi, c'est... Excusez, ça me pique. C'est que l'avantage du doré-mi, les fromages à griller, en fait, c'est qu'ils ne fondent pas. Donc, j'avais pensé à la mozzarella, mais j'avais trop peur de tout briser la patente. Puis finalement, ça ne marche pas en tout mon affaire. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour le doré-mi. Je voulais vraiment être safe que ça marche, parce qu'en direct, c'est un peu poche quand ça foire. Donc, c'est pour ça que j'ai été avec ce fromage-là. On peut les mettre au four, oui. Oui. J'imagine que oui. En fait, moi, il y a déjà une batch qui est en train de réchauffer dans le four. Fait que moi, je dirais que oui, là, honnêtement. Là. Sauf que là, moi, c'est ça, je vais les faire frire. C'est pas vrai. Je vais les faire paner. Dans la poêle, parce que j'ai pas de friteuse. J'ai jamais eu de friteuse. Fait que moi, je mets un peu d'huile dans la poêle. Mettons à peu près un pouce d'huile dans la poêle. Puis, je vais faire cuire ça. Donc là, j'ai mes croquettes. Là, je les ai pas tout fait, évidemment, parce que ça demande du temps. Mais, c'est ça. Fait que je vais juste ramasser mes choses. Puis là, je n'ai pas votre farine puis vos œufs parce que vous allez en avoir besoin pour la seconde recette. Je vais juste me laver les mains parce que, évidemment, comme je vous dis, là, l'important, c'est de garder une main. Ben là, peut-être pas si propre, là.
Puis regardez, là, sinon, on vient avec des toits assez sales, merci. Donc, on va rincer ça. Ouais. Et on fait un petit clean-up. Parce qu'on peut faire du ménage habillé tout chiquement vêtu. C'est tellement mon genre. Mais c'est ça. Donc, un petit clean-up. Et je vous amène avec moi où que j'ai une poêle avec à peu près un pouce d'huile de canola et qu'on va faire dorer ça. Ça va être bon, les amis. Ça n'aura même pas de bon sens. Donc là, évidemment, mon huile est chaude. Là. J'ai fait chauffer l'avance. Ça, je vais même tasser ça de là. Partir la panne parce que la friture, on va se le dire, ça pue. Okay? Tu le sais quand tu t'en vas chez quelqu'un quand il cuisine de la friture puisque ça sent la friture. Puis moi, j'aime pas ça. Donc là, c'est vraiment chaud. Là. Je ne veux pas non plus me... Donc, j'ai une poêle, je vais vous montrer après. Là, là je dépose mes croquettes de fromage là-dedans. Ben, j'ai pas goûté encore. Mais, sûrement que ça va être bon. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez ici, c'est pas long, là. Je vous le dis, c'est une question de... Ben, selon la chaleur de votre film, là, regardez comment c'est pas. J'essaye de faire deux choses en même temps, moi, là, hein. Ah, ouais. Là, mon œil était vraiment en faute, hein. Ouais. Bien que le fond, le rond. Regardez ça, comment c'est une belle dorure, là. Ça a pris, même pas une minute. Là, oups, soleil. Là, ici, j'ai une assiette. Que je mets du papier absorbant, parce que c'est une napkin, là, à défaut de ne pas avoir de papier absorbant. Et je vais, une fois qu'ils sont dorés de partout, je vais les mettre là. Regardez-moi ça, comment c'est pas beau, ça. Que justement, on vous sait, oui, c'est du gras, là, mais là, on ne veut pas non plus qu'ils soient full huilants, nos affaires. Fait que c'est pas long, hein? Puis regardez, ça m'en donne rien. Là, j'ai rien que 5 portions, parce que je ne les ai pas toutes faites pour gagner un petit peu de temps. Mais regardez comment ça n'a pas l'air cochon un peu, cette affaire-là. Oui, c'est chaud. Donc, oups. Donc, j'ai mes croquettes ici. Je vais juste me réinstaller. Là, j'ai pas mis de sel, OK? Parce que le fromage d'araignée, je trouve qu'il est assez salé comme ça. Et on va mettre là-dessus deux idées pour présenter cette entrée-là. Donc, attendez, avant, j'avais... Ça, c'est les autres croquettes que j'avais faites tout à l'heure, ici. Donc, on va en avoir de plus à manger. Yeah! hey, on est 460! Yes! On va faire un tirage bientôt. Bon, on va le faire, ce sera pas long, OK? Je vais faire une chose à la fois, sinon je mets une tête pas de poule. Une poule pas de tête. Poule pas de tête. Une dinde pas de tête. Ça serait peut-être plus thématique pour le temps des fêtes. Donc... Là, j'ai deux idées d'accompagnement. J'en ai une pour ceux qui aiment plus la légèreté et j'en ai une pour ceux qui sont plus bébêtes sucrées salées, comme moi. Donc, je vais me dérouler les manches parce que pour montrer cette belle robe-là. Donc, pour la première version, j'ai pensé de quoi de super fin, qui est un classique, mais que là, il va être pimpé et meilleur, à mon avis. Avec nos croquettes de fromage d'araignée. Donc, ici, j'ai mes croquettes, OK? Je vais être capable d'en faire 3 dans mon assiette. Je dépose... Je sais que vous ne voyez pas, là. Vous voyez où mes mains? Pas en tout. Attendez un peu. Je vais vous patenter de quoi, là. Tiens, je vais remettre de l'autre côté, comme la semaine passée, que mon... Mon gâteau que j'avais fait. Enfin, de même, ça a plus d'allure. Bon, ici, j'ai mes 3 croquettes. Là-dessus, je vais me mettre des tranches de tomates. Puis là, ce matin, j'ai vu des Alixeries des tomates Kumato. Donc, des tomates un peu plus brunes. C'est pas rouge, c'est pas brun. C'est bourgogne, genre. Fait que là, je vais mettre des belles tranches
de tomates là-dessus. Un beau étagé de tomates. Fait que c'est frais. Ça paraît pas, mais ça va être plus frais. Fait que ça, c'est la version, ceux qui veulent de quoi de plus léger et de plus frais. Donc, je mets les tomates là-dessus. Là, je pourrais en mettre une coupelle d'étage. Enfin, non, deux de même, c'est plus beau. J'ai mes tomates. Ensuite, c'est j'ai du basilic. Ah, oh, ça sent tellement bon du basilic. J'essaie de trouver des petites feuilles, me faire cute, là. J'ai du basilic. Tiens. Je vais juste en mettre quelques feuillets pour la déco. Et si vous voulez en ajouter plus, bien sûr, vous nachez et vous dessus. Tiens, j'en ai une autre belle petite à quelque part. Il y a des papilles, là. Bon. Et ensuite, tout simplement, ce qu'on fait, regardez déjà là comment c'est beau. Je vais vous le montrer après, là. Et là, si on va faire nos fancy. J'ai de la réduction balsamique. Donc, la réduction balsamique, c'est pas du vinaigre balsamique. Je tiens à le préciser. Ça se fait maison. J'en ai jamais fait parce que je suis trop paresseuse, j'imagine. Mais c'est vraiment épais, là. Regardez, là. C'est vraiment très, très épais. C'est sirupeux. Donc, c'est pas du vinaigre balsamique. C'est vraiment une réduction balsamique. Puis, c'est où qu'on achète ça? Dans pas mal toutes les épiceries, justement, dans le même coin, la même section que les vinaigres balsamiques. Donc, là, ça, c'est pour faire ma côté fancy, là, de la chose, là. Mais je vais juste faire des petits points. Je vais juste enlever le chemin. Juste pour que ça fasse beau. Mais évidemment, on pourrait y aller freestyle. Puis, comme ça, enfiler. Mais là, on est dans le temps des fêtes. On dirait que je le dis, puis je le crois pas. Fait que je vais essayer de faire une belle petite présentation. Puis, je vais vous montrer ça après. Sérieusement, moi, j'ai coulé mon or plastique. Au primaire, visiblement, parce que je suis vraiment pas bonne de faire des belles formes. Bon, comment je vais faire ça après? Attendez un peu, là. C'est vraiment pas super beau ce que je fais. Oh! C'est bon. On s'amuse. On va faire de quoi qui va être présentable pareil et qui va être surtout très bon. Tiens, on va faire ça comme ça. Là, je jase pas trop, je suis vraiment concentrée visiblement. Hein? Tiens. Yep. OK. Ah, ben, c'est pas si pire. Ça va être plus joli. Attendez, je vais faire le coin. Tiens, je vais essayer de faire quelque chose. Là, c'est soit ça. Ça sera plus beau ou soit ça va être super beau. Ah, ben c'est pas super, mon affaire. Fait penser quand ma mère faisait des millefeuilles, quel couteau. Attends, on va faire de quoi de plus fancy un petit peu. C'est pas restaurant 5 étoiles, là, mais hein, ça va être très joli pareil. Tiens, ben je suis pas super fière, honnêtement. Puis là, on pourrait mettre du gros poivre. Mais là, parce que ça fait beau moins, je touche plus. La réduction balsamique, Loulou, on la retrouve dans l'épicerie. C'est vraiment la même section des vinaigres balsamiques, vinaigre de vin rouge, vinaigre de cidre, tout ça, là. C'est dans la même section. Là, j'ai pris cette entreprise-là que je connais pas vraiment, là. Parce qu'il y a rien que deux, trois compagnies qui en font. On peut le faire maison, mais ça pue sur un. Ça pue longtemps, là. Mais c'est ça. Donc, ça se trouve en épicerie très, très, très facilement. Puis je vais venir vous montrer à quoi ça ressemble, tout ça. On ne le voit pas. Ah, attendez, on va vous montrer ça. Mais c'est sûr qu'on a le gros soleil en plus du midi avec nous. Donc, regardez-moi ça. Attendez, je vais essayer de trouver un ombrage plus beau que ça. Là. Ah, je pourrais même avoir le soleil. Non, la couleur sort pas plus. Il y a vraiment trop de soleil. Mais en tout cas, on voit quand même qu'est-ce que je veux dire. Regardez la croquette de fromage et les tomates et le basilic avec la petite mon œuvre d'art de réduction balsamique. Donc ça, c'est la première version. Okay? On va en faire une autre et après, c'est sûr que je vais goûter à une des deux. Mais elle, je ne vais pas briser le setup parce que c'est ça. Je suis quand même pas si peu de moi. C'est quand même pas si peu.
Hein, pour comment on appelle ça? Pas une amatrice, mais en tout cas pas une professionnelle, c'est ça. Ça fait en masse la job. C'est très frais, cette version-là, soit dit en passant, là. Ça, l'été, là, sur le patio, ça se prend très bien. On dirait quasiment un burger. Oui, le basilic, c'est sûr que je vais en mettre plus, moi, personnellement, après, là. Parce que moi, j'aime ça. Ça, c'est sûr que je vais en mettre plus. Donc, voici ma première recette, version croquette de fromage d'oreille, que je vais appeler, je sais pas comment. On cherchera des inspirations plus tard, parce que là, le cerveau, il veut plus. Bon, deuxième version. Ça, c'est la version qui, à mon avis, va plaire à plus de personnes. Quoique celle-là est quelque chose déjà. Donc, ma deuxième version. OK, ça, j'en ai plus besoin. Ça, OK. Attendez, je vais juste faire une... Ça... Deuxième version, si je trouve mon assiette, ok, oui. J'ai une assiette, j'ai du prosciutto, on ne sait pas trop comment ça s'appelle, le petit bacon italien, parce que au départ, je pensais utiliser du chorizo, mais le chorizo que j'ai acheté hier, il pique, puis j'aime pas quand ça pique, puis les enfants encore moins. Fait que je me suis dit, prosciutto, c'est plus passe-partout, ça aurait pu être du bacon, là. Mais là, je voulais faire de quoi de plus fancy. Tu sais, quand elle est habillée en paillettes, on fait de quoi de fancy. Donc, du prosciutto. Donc, ici, je vais vous replacer pour que vous puissiez voir en même temps. Okay. Donc, je remets encore ici trois belles petites croquettes de fromage d'Orémy. Je vous le rappelle. C'est souvent, oui. Et là, on va mettre une belle tranche de prosciutto. Là-dessus. Oh, ça sent tellement bon, ça, en plus. Ça se mange de manque, en passant. Donc, là, vous pouvez faire des roses, ça vous tente, là. On s'entend que c'est pas ma force, moi, là, l'art plastique, visiblement. Donc, on va faire un petit mouton de prosciutto là-dessus. J'en ai faire que trois, mais évidemment, on peut en faire plus. Tiens. Et un autre. Fait que là, c'est à peu près une demi-tranche à une tranche par croquette. Vous pouvez être plus généreux aussi si ça vous tente, il n'y a pas de problème. Là. Mais c'est ça. Donc, moi, j'y vais par à peu près une demi-tranche par croquette. Et, vous le savez, je suis une fan de dattes. J'en mets pratiquement partout. Donc là, j'ai pensé... Ouais, c'est peut-être pas beau même. Comment je pourrais bien en manger ça? Je cherche. J'arrête de faire une purée de dattes. Parce que là, même, c'est comme pas beau. On dirait quasiment qu'il y a un barbeau. C'est pas ça que je veux que ça ressemble. Attends un peu. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire une purée de dattes tout de suite, là, en live. Tu vois? Hein? C'est ça la magie du live. Donc. Faire chauffer ça, ça sera pas belle. Parce que c'est ça, les dattes, je pensais que ça allait faire plus beau que ça. Ouais, j'ai pensé les couper en deux. Ah, je fais ça. Attends, je vais essayer de voir, faire un test. Natacha, bon, nous attendons. La robe, c'est du Ella. Tu connais sûrement Ella. Tu es de Saint-Georges. Coupe-les et mets-les comme en étoile. En étoile, tu me demandes pas de couper une étoile dans une date, j'espère, parce que là, c'est ça que tu me parles. Ah, ben oui, ça pourrait être ça. Ben, c'est pas si laid que ça, j'avoue. Ah, t'as peu. Hey, moi, là, côté présentation, c'est pas... Je suis bien correcte avec les recettes, là, mais côté présentation, j'avoue, c'est pas ma grande force. Donc, je vais écouter, c'est qui me l'a dit? Une purée de date. Je vais essayer de la faire en même temps, là. Faire deux versions, là. Les dates sont dans l'eau. Ouais. En tout cas, je vais faire une purée de dattes. Il y aura deux versions. Celle de Rapido Presto, tu mets les dattes sur le top, puis dattes.
Ouh, ben non, la version purée. Quoique, c'est pas si pire que ça, je trouve. Tiens. Ça, j'ai juste de faire ça cute, là. L'art, c'est. La cuisine, c'est vraiment un art, hein, qu'on dit. C'est le cas aujourd'hui. Mais c'est pas si pire que ça. Je vais vous montrer, voir. Regardez. C'est pas si pire que ça. Je vais vous le montrer plus proche, là. Je vais aller me chercher un autre morceau. En tout cas, vous ferez comme vous voudrez. Oui, hey, attends, j'ai pas de roquettes. J'ai des épinards, par exemple. J'avoue, ça serait très beau. Hey, il y en a qui me donnent du travail en éventail, en étoile. Wow, wow, wow! Je vous l'ai dit. Moi, j'ai fait de l'art plastique secondaire 1, puis après, je suis allée en musique parce que les arts, c'était vraiment pas pour moi, visiblement. Là. Donc, je vais mettre ça sur un lit d'épinards. Ah, j'en ai-tu de la roquette? Non. Bon, je vais pas la préparer. Je mélange ici de salade, là, puis je prends ça, ça va plus joli comme ça. Je vais juste tasser ça. Puis on met du balsamique là-dessus, réduction balsamique. Oui, oui, oui. On va y arriver, OK? Au pire, c'est pas grave, je vais avoir une purée de date déjà faite. Tiens. Donc, je mets ça là-dessus. Et ça, en entrée, là, c'est pas gênant tantôt, hein? On va vous dire. Tiens. Puis là, on pourrait mettre rien qu'un petit filet de balsamique là-dessus. Facultatif, là. Du miel et tout, ça pourrait être bon. Non, une date, c'est assez sucré. Je vous le dis, je ne me branche pas dans la vie, hein. Tiens. Tiens. Hey, c'est pas là de pantoute, honnêtement. Ouais. Je pense qu'on a de quoi. On va vous montrer ça. Bon. Regardez, c'est pas si pire que ça, mon affaire, là. C'est très joli, je trouve. Là, dans la salade, c'est sûr qu'on aurait pu mettre des noix, des bleuets, des trucs comme ça, là. Mais là, c'est des entrées. Fait que je sais pas quel genre d'entrée êtes-vous plus. Êtes-vous plus salé, sucré, salé ou plus frais? C'est sûr qu'elle, elle punch plus à cause des couleurs, là. Mais celle-là aussi, là, je la trouve bien jolie. Oui, on pourrait tellement mettre n'importe quoi, honnêtement, là, sur les croquettes de fromage, c'est ça qui est le fun. Bien qu'avec, c'est ça j'ai pensé aussi, juste les croquettes, là, de fromage qu'on a cuisinées tantôt avec une sauce aux tomates, là. Tu sais, les sauces aux tomates qui viennent avec les bâtonnets de fromage, ça serait très, très beau aussi. Donc, on a les deux versions ici. La version cochonne, parce qu'il y a du prosciutto. Et la version je dirais, d'été, plus légère, en fraîcheur, Donc, vraiment, on a deux belles versions avec toute la même base. Puis, vous l'avez vu, la base, ça a pris genre 30 secondes à cuire. Ça a vraiment été vite. Et ça fait vraiment de quoi de très beau et de quelle heure très bon. Donc, là-dessus, c'est ça que je vais y goûter. Je vais rien que regarder ma purée de dattes que j'utiliserai pour une autre utilisation. Donc, moi, je vais me faire la version, je pense, tomate. Ah, je sais plus. Quoi être prosciutto? Je vais essayer de projeter. Ça va être bien, bien, bien. Oui, ça va être beau, ça va être bon. C'est simple, c'est pas compliqué. Tiens, on met un peu de projeto. Là, je goûte. On fait un petit test de goût. Je vais chercher une date. Ils sont un peu mes dates, là. Parce que là, mine de rien, on cuisine, mais il faut goûter aussi. Là, je vais faire freestyle. Et on goûte. Oh boy! C'est débile. C'est débile. Ça n'a pas de sens. Prosciutto. C'est tellement bon. J'aimerais ça te faire goûter, Rachel, par
par le réseau, mais hey, la croquette de fromage, mes amis, là, faut fasser ça. Puis, je sais pas si ça se congérait, là, mais rien que la croquette, là, c'est du bonheur. C'est trop bon. Je suis vraiment contente d'avoir peu dormi pour ça. Ça valait la peine. Donc là, je vais me faire mon autre version. Il faut que je goûte aux deux. Hein. Donc ça, c'est la version tomate. Là, c'est ma dernière bouchée. Là. Je vais mettre une petite affaire de basilic. Là, ça fait des grosses bouchées pareil. Là. Donc, on goûte. Mmh. Oh boy. C'est ça, maman. Le Doremi. Honnêtement, mon goût à moi, celui-là avec les tomates, je vais vous la montrer, là. Regardez pas mon manège. Ça, clairement, l'été. C'est super frais. Mais j'avoue que, ben, j'ai un fait pour eux autres. Puis on aurait pu tellement rajouter des noix là-dessus. Parce que je vais le faire dans tout. Parce que je suis déjà fan du mélange de sucré salé. Fait que c'est pour ça que moi, à mon goût, à moi, ceux-là, c'est les winners. Mais l'été, clairement, que j'opterais pour eux autres. Vraiment beaucoup. Fait que c'est très, très bon. Ma préférée, c'est eux autres. C'est qui me l'a demandé? Vicky, là? Ça. Vraiment. Oui, oui, sans contredit. C'est sûr et certain. Mais l'autre aussi est très bonne. C'est juste que... c'est ça, c'est plus été. Tandis que là, on dirait que... Je sais pas, là. Peut-être à cause qu'il n'y a pas de Noël, là, il me semble du gros. Nam! Mon épaisseur de fromage était combien? Il y en a qui avaient l'air à dire un quart de pouce, d'autres disaient un demi. Ça, là, genre, l'épaisseur de quoi, ça? Hey, l'épaisseur de. J'ai pas de tape à mesure. Je suis pas bonne pour les pouces. Ça. Donc, je dirais. L'épaisseur de ça. Ça va, bon. oui, avec une sauce. Ben, j'en ai de la sauce. C'est marinara, Mariana, en tout cas. J'en avais. Mais là, on a déjà deux belles idées, OK? Mais c'est sûr que si on voudrait, je vais faire un autre setup tantôt pour vous montrer. C'est sûr que ça serait super bon aussi. C'est le bâtonnet au fromage. Mais c'est tellement. Ah, sérieux, là, faut que vous fassiez ça. Faut que vous fassiez ça. En commande morceau, je te dirais à peu près. Je vais regarder la meule, là. Mettons, 1, 2, 3, 4... Mettons, 8. À peu près 8. C'est sûr que là, le petit bout, je l'ai coupé pour que ça me fasse des belles croquettes droites. Mais à peu près 6 à 8, là. Mais je vous dirais, allez-y plus avec 8. Parce que là, c'est sûr, il y a des croquettes qui étaient plus épaisses. Puis, tu sais, si on veut goûter plus aux garnitures dessus, ça serait l'idéal. Donc, là, ça fait 16 croquettes. Parce que 2 paquets dans ce que j'ai fait tantôt. Donc, 2 paquets de ce fromage-là. Qu'on retrouve au IGA dans la section des fromages. Les fromages, là. Bon. Cette recette étant faite, on continue avec la deuxième recette. Bon, le monde dit c'est pas mal un demi-pouce. On coupe le fromage un demi-pouce. Bon. Je me fie plus à vous autres qu'à moi. Deuxième recette. Encore ici, ça va être des croquettes. Et j'ai souvent demandé à mes lectrices si c'était des bébites à sucre ou à chips là, en soirée. Et étonnamment, il y en a plusieurs qui sont à chips. Donc, je me suis dit, on aime le poulet hein, au Québec. On aime visiblement les chips aussi. Donc, pourquoi pas faire des croquettes au poulet au chips? Oh oui, je vous le dis. Fait que là... C'est super simple en plus, encore là. C'est quasiment les mêmes étapes qu'avec nos croquettes de fromage tantôt. Donc, c'est œufs battus. J'ai gardé les miens. J'ai commencé par les croquettes de fromage, évidemment, pour éviter de salmonellose. Le fromage, pas le fromage, mais la farine que tu usages. Et, attendez un instant. Et ici, ça paraît pas, là. Mais j'ai un sac de chips barbecue. Là, j'ai pris barbecue parce que c'est une sorte qui passe partout. Ça pourrait être
Oh, le reste, ça pourrait être même crème sure, ça pourrait être ketchup, aneth, je sais pas. Choisissez votre sorte, là. C'est sûr, ça serait bon. Donc, j'ai un sac, OK, de croustilles. Croustilles barbecue que j'ai réduit en champignons dans mon robot culinaire. Ça paraît pas, hein, quand t'ajoutes le sac, ça a l'air énorme, là, mais en champignons, on va dire, il reste pas grand chose là-dessus. Oui, je vais mettre les recettes sur, sur mon Facebook et sur le site après la live. Donc, un étui. Je l'ai pas vu. En tout cas, il réécrira au pire, puis je le flusherai. Ah, oh, Manon, on doit quitter. Ben, joyeux Noël, toi aussi, Manon. On se revoit en 2021. Donc, c'est ça. Donc, ça donne pas beaucoup de chips, mais on n'a pas tant de besoin. Ensuite, ici. Okay. J'ai poitrine de poulet ou haute cuisse, si vous voulez de quoi de plus tendre, désossée, coupée en morceaux de, j'allais dire, poulet pané. Pour ceux et celles qui ont manqué de gag, vous irez voir sur mon Facebook pour le gag du poulet pané. nounouf. Oui, il est un nounouf. Hey, c'est à cause, il y en a beaucoup de commentaires aujourd'hui, là. Où tu es, nounouf, qu'on te flush? En tout cas, si vous me l'envoyez, écrivez en gros « intrus », on va le savoir. OK, oui, je viens de le voir. Bye-bye, nounouf. C'est triste. Bye. Bloqué, nounouf. Bon, bye, nounouf. Ça me fait rire, ça. Bon. Bon, fait que oui, c'est ça que je disais. Hein? On va venir à bout de dire ce que je disais. Donc, j'ai mis mon four à 390, ça va bien, ça va bien. J'ai mis mon four à 390 et comme je vous disais tout à l'heure, c'est les mêmes étapes quasiment que nos croquettes. Fait que jetez pas vos restants d'œufs battus puis de farine parce que ça va être réutilisé. Puis commencez évidemment par le fromage, les croquettes de fromage, parce que si vous faites l'inverse, ben ça se peut que vous ayez des petits mats. Ouais, on veut pas ça. Encore moins d'entendre les faire, même s'il n'y a pas de parfait. Fait que j'ai des poitrines de poulet ici. Oh, tiens, on va se mettre comme ça. Que j'ai coupé en morceaux, donc en lanière ou en cube, et que je vais enrober encore ici dans la farine. Vous comprendrez que c'est un principe universel pour faire des choses croustillantes. Mais là, ici, je ne le ferai pas cuire dans l'huile. J'aurais pu, OK? J'aurais pu, mais là, après les croquettes de fromage frit, on va se slacker ça un petit peu. Donc, la farine, on secoue les œufs. Et ensuite, dans ma chapelure de chip. Bon, on a un autre, mais là, on a deux, trois autres. Voyons, ils ont-ils donné le mot aujourd'hui? Attendez que je me lave les mains, vous autres. Bon. Ouais, je vais. Attendez. Je vais te flusher ça, Nicole, ça sera pas trop long. On va m'essuyer les mains avant, là. OK. Bon. Youssef, bye-bye. Attends, faut voir. Toi, je t'ai pas sûr par tout, fait que j'ai mis de te bloquer. Don Carlos Orago, bye-bye. J'en ai vu un autre. OK, bon. Oh, la perdrix, c'est une bonne idée. Donc, Carla, je l'ai flashé. Bye! Bon, on continue. Donc, c'est ça. C'est ça la simple étape. Et si on veut réduire la quantité de chips comme chapelure pour rendre ça un petit peu moins cochon, on pourrait faire moitié chapelure de chips et moitié chapelure nature. OK? Je l'ai fait tantôt pour mon... ma première batch de croquettes que j'ai oublié de mettre au four. Okay. Fait que là, on recommence. Oh oui, une croquette de fromage, je vous le dis, là. Ça va être bon. Juste ça, là, avec une belle grosse salade, là, mettons une portion, on s'entend, c'est une croquette, OK? Puis, rien que ça, avec une belle grosse salade, des noix, des fruits frais, des fruits séchés, peu importe, des graines, c'est super. Ça fait différent de la fondue chinoise, on va se le dire clairement, là. Puis de la fondue parmesan. Parce que la fondue parmesan, c'est bien bon, là, mais ça pue. On va dire les vraies affaires aujourd'hui, hein.
Donc, et ça fait très différent aussi des bâtonnets de fromage qu'on a tendance à manger juste de même sec, de même avec la petite sauce. Avec les accompagnements qu'on a mis tantôt, là, ça fait vraiment une belle, belle touche. Oh, merci Normande. Bon, on a un autre. Du fromage blanc. Antoine, c'est quoi donc du fromage blanc? Peux-tu nous dire ça? J'avais tellement de questions. Oui, je veux voir l'intrus. Je sais, je sais, je sais. J'y vois, j'y vois, j'y vois. Sérieux, ils se donnent tout le mot. Ils veulent gâcher mon Noël, gang de Grinch. Bon, pas grave, je vais continuer à avoir du fun avec vous autres. On s'en contrefiche un peu d'eux autres. Je vais le flusher. Ça n'a pas de sens. Sérieux, une chance que vous êtes là, vous autres. Vous me donnez du moral, vous me donnez de la bonne humeur. Les autres font un petit peu suer, par exemple. Là, s'il y en a un autre, je vais pogner les nerfs en direct. bon. Y en a-tu d'autres, là? Viens pas me faire suer. Pas le temps. Bon. Ils ont du temps à perdre. Je sais même pas si c'est des vrais humains, tu sais. Mais en tout cas, regarde, on a du temps ensemble, c'est tout. Ah, Antoine dit que du fromage blanc, c'est comme un yogourt plus épais. C'est comme du yogourt grec. Je sais pas. Ça fait trop longtemps que j'ai pas été en Europe, honnêtement. Un jour, c'est sûr, j'y retourne. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, on les ignore, hein. Céline a seulement qu'est-ce qui se passe pour Céline. T'as gros Céline, il y a du monde qui manque de vie, ok? Ils veulent être des grincheux dans la vie, eux autres. Fait qu'ils viennent spammer mon live, gang de pas fin. Fait que je reste poli. Fait que c'est ça. Hein? On va les laisser faire, ok? Krause. Ah, oh, ben, merci, joyeuse fête à toi aussi, qui doit nous quitter. Donc, je viens mes croquettes, là. On va faire ça tranquillo, tranquillo, là. Tiens, ça va là. Bon, on va laisser faire, là. Ils viennent chez nous, ils vont trouver qu'il n'y a pas de temps à perdre avec les trois enfants. Bon, on finit ça. Débutant. Fromage, Babybel, les croquettes, ça. Honnêtement, j'en ai jamais acheté du fromage Babybel. Ma soeur, elle en avait déjà offert à mes enfants comme collation, puis ils n'ont pas aimé ça. Puis moi, j'ai jamais été habituée de manger ça non plus. Je sais pas. S'ils font pas, puis ils sont assez durs, je dirais oui. Mais moi, ce que je vous dirais comme truc, là, pour eux autres qui veulent essayer avec le Babybel, là, ok, je dis un truc, ok, ça, je ne l'ai pas testé, là, c'est de le mettre, développez-le, là, hein, on enlève le papier. Puis moi, je le mettrais peut-être en dehors au congélateur avant de faire les étapes de panneau. Parce que je voudrais pas qu'il fonde dans le poêle, ça serait vraiment, ça serait très chiant, en fait. Fait que je le mettrais 1 heure dans le congélateur, comme ça, quand vous allez le faire chauffer dans l'huile, ben, ça va peut-être moins risquer de le faire fondre. Ah, oh, ça m'a le fun, Manon, elle m'écoute en cuisinant. C'est quoi tu cuisines, Manon? Dis-moi ça. Ça va peut-être m'inspirer. Donc, tiens, 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 tiens. Bon, c'est vous comprendrez, c'est vraiment les étapes un peu chmouche-mouche, là, ce que je fais, là. Mais ça va être bon. Ça, c'est sûr, ça va être bon. Et les croquettes, là, si vous êtes une maman de jeunes enfants ou même d'ados, c'est sûr que ça va pogner. Vous leur dites que c'est des croquettes au chip, ils virent fou. Ils virent fou, ils virent fou, ils virent fou. Puis les croquettes, on peut les manger direct comme ça, évidemment, avec des frites, dans une poutine, vous les coupez en petits morceaux, dans un wrap, sur une salade, vraiment dans un croissant. Il y a plein de choses là, à faire avec ça. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut les congeler une fois qu'ils sont cuites. Fait que ça fait un méchant bon dépanneur. Bon, là, j'arrête parce que là, j'ai les mains qui ne ressemblent plus à rien. Martine qui veut. Martine, oui, honnêtement, vous pourriez commencer avec n'importe quel détox. Parce qu'elle me demandait qu'elle me disait qu'elle voulait se reprendre en main, qu'elle voulait savoir si elle pouvait commencer par une nouvelle, par n'importe quel détox. Donc, oui, sans souci. Donc, je vais me laver les mains pour hein, on se comprend.
On va faire les jambes et les doigts d'un coup. On les a fait une fois. Bon! Fait que, là, il y a une date à terre, je pense que c'est un barbeau. Tiens, tiens. Donc, j'ai mes croquettes ici. Je vais verser un petit filet d'huile. Parce que moi, là, je vous l'ai dit tantôt, je l'ai fait. L'huile, OK. Il n'en restait plus. On était safe. Donc, je vais faire un filet d'huile et j'envoie ça au four à 390. Là, ça va dépendre de la grosseur de vos morceaux, mais je vous dirais entre un 35 et 40 minutes. Donc, j'envoie ça au four. Je vais sortir ça en attendant. Bon. Et c'est quoi je voulais dire avec ça? Donc? Ah, je me suis dit, il faut que je vous dise de quoi, puis j'ai complètement oublié. Ah, OK, oui. On aurait pu le faire dans le poêle avec, tu sais, un pouce d'huile, un peu comme les croquettes tantôt. On aurait pu facilement. Mais là, si vous voulez de quoi de plus santé, moins cochon, on peut faire ça comme ça aussi. Dans le four ou dans une poêle. Ou même dans une espèce de friteuse à l'air, là, ça ferait super bien la job aussi. Donc, je vais faire un petit clean-up. Et là, ah zut, j'ai pris mon assiette-moi, hein? Faire ça comme ça. Et là, on avait déjà une batch de prêt. Je vais m'en remettre ma robe comme ça. Les congelés, c'est le risque. Il y en a qui veulent les congeler. Go! Descendez à Saint-Georges. Et là, une fois que c'est cuit, regardez-moi ça, les belles croquettes que ça fait. Fait que là, je vais faire une petite assiette. Là, en accompagnement à ça, comme je vous disais, ça prend n'importe quoi, là. Je vais trouver les plus belles, parce que je suis le même dans la vie. Puis là, ici, je les accompagne d'une petite sauce ranch. Pas maison pantoute, ça. Mais, c'est ça. Donc, vous pourriez y aller avec n'importe quoi comme accompagnement, comme je vous disais. Un petit riz, des légumes vapeur. Juste des croquettes, allez-y comme vous le filez. Donc là, attendez, ça fait vraiment de la chenouille. Je voulais faire de quoi de cute, là. Attendez un petit peu. Ah. Donc, essuyez un petit peu mon assiette. Là, je suis pas mon affaire. Attends, on va recommencer ça, là. Ça m'énerve quand c'est pas mon goût. Sauce au miel, là. Ah, t'as-tu une recette, Catherine? Ça, c'est sûr. Dans une salade César, oui, ça serait tellement bon. Moi, salade César, c'est genre une de mes salades pas mal préférées. Au restaurant, mettons, là. Sinon, moi, je fais tellement des salades différentes à toutes les fois que... Tiens. Ouais, c'est pas plus beau. Ça va être ça. Donc, on va vous montrer ça. À quoi ça ressemble, tout ça. Ça, j'ai pas. Je vais faire de quoi de plus cute dans la sec quand ça va être le temps de prendre mes photos tantôt. Donc, mon cœur est bien. Tellement. Donc, oh boy, on a le soleil qui tombe là-dessus, hein? Donc, les belles croquettes ici. Petite sauce reine du commerce. Super croustillante, tu vas dire en passant. Je vais goûter, voir. Ça va. Regardez-moi pas mon bordel, OK? Là, j'y goûte. C'est ça, j'ai une sauce reine, là, mais avec n'importe quoi. Ah oh, ouais. Ah, c'est bon ça. Bon, je vous montre ça. Ici, on a les croquettes de fromage prosciutto d'Ath. On a ici les croquettes filets de poulet au chip barbecue. Mais on pourrait y aller vraiment avec la sauce qu'on veut, hein, par exemple. Et ici, on a mon autre version de croquettes de fromage que je vais trouver un nom à m'emmener. Donc, si c'est tomate rouge, tomate camuto, je sais pas qui. La tomate, en tout cas, de cette couleur-là, avec du basilic et basamique, réduction basamique.
Donc, on a fait ces trois belles recettes-là aujourd'hui, en ce 23 décembre, joyeux Noël. Monsieur Côté, salut, petit. On dira pas le reste, des fois qu'il y a des enfants qui écoutent. Donc, on a fait vraiment des belles recettes. Je suis contente. Ça a quand même bien été, hein? Je suis contente d'avoir été réveillée cette nuit et d'avoir changé mes idées. Vraiment. Ça va être vraiment très bon à savourer en famille. Avec les enfants. Croquettes de fromage aux saveurs d'été. Hey, croquettes de fromage, imaginez. Vous faites une espèce de petite bruschetta, fraises, tomates, oignons rouges. Là-dessus, oh, avec du basilic. Ça serait bon. Ça serait bon. Et là, je vais vous parler des tirages maintenant. Je vais vous présenter les prix. Je vais vous commencer par le premier, qui est un nouvel auteur que j'ai connu vendredi dernier. Ça y est, pour dire. Donc, il s'appelle Anthony Poulain. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Donc, Anthony Poulain, c'est un jeune homme. Je ne sais pas quel âge qu'il a. À peu près mon âge. Il n'a pas l'air vieux. Je ne suis pas si vieille que ça. Donc, c'est un livre qui parle normal à trouble mental. C'est un livre qui se veut vraiment plus, je dirais, témoignage de son parcours à travers sa vie personnelle. Puis je trouve ça super courageux de sa part d'en parler puis de l'écrire dans un livre. Et ce qui est cool d'Anthony, c'est que lui, il est parti ça genre toute seule. Tu sais, il a écrit son livre, il est pas... tu sais, il a décidé d'en faire 100 exemplaires parce qu'il tu sais, c'est juste disponible en bosse. Mais finalement, il a fallu qu'il réimprime 3 fois parce qu'il en a tout le temps manqué. Donc, il a connu un beau succès. Il a fait des belles entrevues à la radio aussi. C'est un homme. J'ai pas lu son livre parce que je veux lire ça pendant le temps des fêtes, ça c'est sûr et certain, là, si les enfants me laissent tout le temps. Mais Anthony, c'est un pompier qui a été présent sur les scènes du lac Mégantic en 2014. Et j'étais en Europe. J'étais en France, à Paris, quand c'est arrivé. 2013, merci! En 2013. Donc, c'était un pompier qui était présent sur les lieux quand il y a eu toute cette tragédie-là à Lac Mégantic en 2013. Et évidemment, ça l'a secoué et chamboulé également de tous les aspects, mais mentalement aussi. Et il explique tout ça. Il explique comment il est passé de normal, j'aime pas ce mot-là, normal à avoir des troubles mentaux, parce que souvent, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de préjugés par rapport à la santé mentale, puis lui, avec ce livre-là, je pense qu'il voulait vraiment enlever cette voile-là, enlever les préjugés qu'on peut avoir, comme quoi ça peut arriver à n'importe qui, ok, n'importe qui, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être l'autre qui cherche des clés, ça peut être vraiment n'importe qui, ok, donc je trouve ça un livre super intéressant que je vais dévorer, certainement pendant le temps des fêtes. Donc, j'en fais tirer 3 exemplaires et je vais vous, avec plaisir, partager comment se le procurer parce que, honnêtement, c'est un jeune homme qui a fait ça de A à Z, là, avec, il n'y avait pas eu une équipe de la mort en arrière de tout ça, il a vraiment fait ça de A à Z et c'est un gars de la bosse et je trouve que c'est une bonne lecture à se faire à soi-même parce que, comme vous le savez, avec toutes les circonstances qu'on a actuellement, là, c'est hier, je pense que je partageais ça. Autant ça peut sortir le plus beau chez une personne que ça sort aussi le très laid. OK? Puis on en voit beaucoup du très laid. Très, très, trop, trop. De personnes, je te parle. Pas la situation est nette, là, tête chérante, là. De personnes. Donc, je pense que ça peut vraiment aider toute personne. Et ça peut aussi encourager quelqu'un qui, peut-être que vous connaissez, vient d'avoir un diagnostic de santé mentale. Ça peut rassurer de voir que malgré le diagnostic qui tombe et le sentiment de se juger soi-même, ben, il y a une vie après aussi. C'est la vie continue, puis ça peut t'amener à une super de belle aventure après ça. Donc, super intéressant. Donc, on a 3 livres de Anthony, normal à trauma mental, à faire tirer, que je vais faire après le live. Donc, vraiment, allez l'encourager. Moi, je suis vraiment très fière de l'avoir connu. Puis je trouve ça tellement beau qu'il nous partage ça, toute sa vulnérabilité, son cœur ouvert, je trouve ça vraiment très, très beau. Donc ça, c'est le premier prix. Donc j'ai 3 exemplaires à vous faire tirer.
Merci, Justin. L'ambassadrice de l'annonce. On est fiers. Oui, c'est sûr que moi, je vais le lire. C'est sûr que je vais le lire. Ça sera pas long que je vais lire ça. Puis pour ceux et celles qui ont des problèmes de vue, c'est écrit gros. C'est ça qui est cool. Là, c'est pas écrit en toute miniature. Là. C'est écrit gros. Fait que vous êtes très capable de le lire aisément. Le deuxième prix, c'est du Ella. Donc, Ella, c'est pas le nom d'une fille, c'est le nom d'une entreprise de la Beauce qui est directe la voisine des garderies des enfants. Donc, Alex Poulin, qui est la fondatrice de Ella, qui me fait créer des dépendances de vestimentaire. Mais elle a tellement du beau stock, sérieusement, j'ai au moins une dizaine de morceaux d'elle. C'est fou. C'est vraiment tellement. C'est beau, c'est confortable. Ça qui est le fun, c'est t'es chic. Chic, mou, confortable. Tu sais, c'est un mélange. Tu sais, comme la robe, là, c'est du Ella. Fait que c'est chic, là. C'est très chic, là. Très. C'est très chic, mais c'est du mou, c'est confortable. Tu sais, honnêtement, le genre de choses que tu peux porter quasiment pour te coucher. Tu sais, même ça, là, on pense que ça pique pas, là. C'est super. En plus, c'est full beau. J'ai l'air vraiment brillante. Donc, ah oui, elle fait des tailles plus. Mm-hmm. Puis, c'est ça, elle a évidemment son site web pour acheter tout. Puis comme je disais tantôt, demain, là, elle fait un live sur sa page Facebook. Puis elle va faire full de prix. Je vous le dis, rien qu'à vous. Elle fait full de tirages, de prix, de cadeaux, de certificats rabais, de pourcentage de rabais. Elle te fait un live de feu demain. Là. Et c'est ça. Donc, elle fait tirer une carte cadeau de 100$. C'est vraiment cool. Honnêtement. Oh, j'aurais envie de la prendre. Mais je vous la fais tirer à vous, donc il n'y a pas le montant en dessous, en arrière, je veux dire. Mais c'est pas elle, Alex, en passant ça. C'est Anne-Marie, c'est une des stylistes qui travaille en grosse collaboration avec Alex. Son lien, c'est Ella Mode et Lifestyle. Mais je vais mettre le lien après, là. Elle a tellement du beau stock, là. Il faudrait que j'aille vous en montrer quelques morceaux. J'en ai tout le temps mis pendant mes lives, quasiment, parce que j'étais tellement bien là-dedans, là. Mais c'est vraiment très, très, très beau. Elle a de tout, là. Pantalon, chandail, camisole, veston, jupe, robe. Elle a vraiment beaucoup. Puis moi, honnêtement, je sais pas combien de morceaux j'en ai, là. Mais chaque fois qu'elle se rend avec ça, je suis comme, non, arrête! Tu me crées encore des besoins! Mais c'est ma manière à moi de me gâter dans la vie. Fait que, tu sais, on travaille aussi pour se récompenser. Hein? demain, c'est en live et il est à 10h, Alex. Alex, si tu m'écoutes, confirme. Mais il me semble qu'elle est à 10h, puis elle va popper champagne, toi, chose. Ça va être vraiment très festif pour un 24. Fait que si jamais demain, chez vous, c'est pouet, 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 parce que un, il mouille, fait qu'il fait pas beau. Deux, on peut pas le voir voir nos familles, fait que c'est un peu poche. Puis trois, vous avez rien à faire, allez voir son live, vous allez peut-être gagner, OK? Elle a déjà fait tirer une garde-robe complète en automne. Fait que ça, c'est vraiment très cool. OK. Donc, vraiment une très, très belle découverte. Alex, mode, attends un peu. Ella, mode et la style. Donc, on a une carte cadeau de 100$ à faire tirer. Stéphanie, elle la veut. Et, finalement, le troisième prix, c'est un petit bébé qui vient d'arriver. Je vous stresse, hein? Bébé numéro, attends un peu. 6, 7, hey, ça marche plus. Bébé! T'as bébé là! Pas bébé d'abadon, là! Non, ça n'a pas. Bébé lui! Il est arrivé! Donc, le bébé, ça c'est Detox 5. Donc, il est arrivé à la maison. Il est tout au chaud. On a même mis une mousseline dessus. Il s'assise pas trop loin. Donc, ça, c'est notre Detox 5 qui vient juste de sortir. Et qui sera disponible très, très, très prochainement sur notre site web. Donc, jetez ça sur la page Facebook. Puis, c'est ça. Donc, Detox 5, c'est quoi? C'est le programme que tout le monde ici connaît, je pense. Sans prétention que je dis ça. C'est le programme aussi que mes lectrices capotent dessus parce qu'il est hyper efficace pour te booster sur une perte de poids. Sans joke, là, la perte de poids moyenne là, en 7 jours avec mes lectrices, là, c'est 2 à 7 livres en 7 jours. Puis c'est pas keto,
C'est pas que tu manges pas de chocolat, c'est pas que tu manges pas de pâtes, c'est même pas ça. Tu manges du chocolat, tu manges des pâtes, tu manges du pain, tu manges des patates, tu manges du riz, tu manges même des collations et des desserts, puis t'en peur. C'est quoi le secret? C'est que tu manges. C'est simple. Parce que c'est ça. Les régimes, on pense que ça va être plus efficace que tu manges pas, mais c'est le contraire que ça fait. Fait qu'avec lui, tu manges à ta faim les bonnes recettes, là. Hein? On a vu un exemple aujourd'hui de ce qu'on a fait. Des bonnes recettes et tu perds du poids. Et tu vas en coaching avec moi. Donc, ça, c'est mon bébé qui est arrivé la semaine passée. Donc, je vous montre quelques exemples. Brownies. Ça se prend bien, ça aussi, hein? Une belle salade repas, évidemment. Les coquilles farcies. On a plein de recettes, évidemment. Une autre belle salade très, très, très gourmande. Une pizza matinale. Il y en a pour tous les goûts. C'est pas compliqué, là. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, ça, je vais en faire tirer 5 exemplaires aussi après le live. Puis si jamais la gagnante veut que je dédicace, ben, écrivez-moi-le. Puis je vais le faire. Ça va faire plaisir, 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 plaisir. Donc, c'est ça, les cadeaux qu'on a à faire tirer aujourd'hui. 5 fois ça. 3 fois livre d'Anthony Poulain, normal à trouble mental. Je vous mets le lien aussi, allez l'encourager. Sérieusement, ce jeune homme, plein de courage, plein aussi de résilience, une belle vulnérabilité. Puis c'est clair que moi, je devais voir ce livre-là dans le temps des fêtes. Honnêtement, là, je me lève des fois le matin plus tôt que les enfants, juste pour les pour vous dire, là. J'étais un petit peu capotée. Et on a 100$ de Ella Mode Lifestyle aussi à faire tirer. Fait que vous allez pouvoir choisir le vêtement que vous voulez. Puis qu'est-ce qui est le fun en passant pour Ella Mode Lifestyle, c'est que, tu sais, ben moi, je me trouve pas si grande que ça. Là, mais je suis une 5 pieds 7, 8, là. Je me rappelle jamais. Tu vois, je suis quand même grande, contrairement aux autres filles. Et des fois, en boutique, t'achètes une tunique ou une robe. Non, plutôt une robe. Là, tu l'essayes sur toi, puis on dirait que t'as une tunique. Fait que, tu sais, ça te cache pas assez. Ça va pas assez beau. Tu sais, ça... T'oses pas ça mettre ça en robe, mettons. À moins d'être wild, là, mais c'est pas mon cas. Fait que, elle, ce qui est fun, c'est que souvent, autant pour pantalon que pour les chandails, t'as la version régulière ou t'as la version longue. Fait que si tu veux un chandail, mais tu veux être sûr qu'il soit plus long, tu prends la taille plus longue. Ou si t'aimes ça quand c'est plus court, tu prends la taille plus court. Puis c'est super à l'aise, puis elle est vraiment, vraiment très, très passionnée, puis elle aime ce qu'elle fait, puis ça paraît vraiment. Donc la robe que je porte, c'est du Ella, OK? J'ai plein d'autres morceaux, ma soeur, si elle est encore là, elle vous confirmera. Tania aussi, Tania va peut-être la réécouter en diffusion. En tout cas, mes amis savent que j'aime Ella, et là, regarde, je le cacherai pas, là. Donc, regardez cette belle robe-là, full confortable, elle fait un beau dos, tête, là, est pas ajustée au corps que si tu manges une pointe de tarte, là, t'as l'impression d'être enceinte de 6 mois. Ça qui est fun, t'as un petit lousse. Fait que si tu veux un petit sucre à la crème de plus ou quoi, ben, tu le prends pis ça paraît pas trop. En tout cas, pas en même temps. Donc, c'est ça qu'on a à faire tirer aujourd'hui. Merci, maman. De rien, mon enfant, Catherine. Donc, je vais faire tout le tirage après le live, évidemment. Pour participer, merci Lynn, tu me fais rappeler. Pour participer, faut vous aller commenter. Fait que Lynn, elle a commenté. Et partager. C'est important. Partager, partager, partager. On est encore du monde. Et oui, je vais partager leur lien, c'est sûr, là. Sérieusement, là. Même qu'on pourrait mettre, ben là. On pourrait quasiment la mettre même de même, là. T'sais, une. Ben, elle a un chandail de même, c'est vrai. Elle a un chandail manche tombante, là. Je sais pas c'est quoi le vrai terme en stylisme, là. Désolée pour mon inculque, mais c'est ça, on pourrait la mettre plus de même aussi, là, ça serait très joli aussi. Ouais, ça pourrait être très beau aussi. En tout cas, bref, c'est ça, je vais la remettre pendant le temps des fêtes, parce que, no way, c'est ça qui est ça. Hein? Merci, ma robe est super belle, mais c'est pas moi qui l'ai faite, là. Il faut dire merci à Alex, là, parce que moi, clairement, vous avez vu mon talent artistique tantôt, comment il est limité, imaginez faire des vêtements. J'ai déjà fait, le pire. J'ai déjà fait un pyjama à mon mari puis une baguette. Une baguette, parce que chaque fois qu'il venait dîner à la maison, il mangeait puis il se salissait. C'est mon premier... c'est ça. Fait que j'avais décidé d'essayer de coudre une baguette et un bas de pyjama avec ma nouvelle machine à coudre que je n'ai jamais réutilisée. C'était dégueulasse.
Sérieux. Il est quand même des cadeaux, OK? Là, c'est des enfants, allez les cacher, là, pour pas qu'ils entendent ce que je vais dire. Déballer des cadeaux, là, tu sais, au début, c'est beau, là. Mais quand c'est les deux bouts, là, ça fait des motons. C'est comme moyen, moyen beau, mon enfant. Mais bon, hein? Bon, Antoine, check l'autre, là, solidarité masculine avec une mari. Donc, c'est ça. Non, c'est ça. J'ai pas de talent de couture, ni d'art plastique, rien de ça. Mais en cuisine, par exemple, je me débrouille un petit peu plus. Donc, c'est ça que je voulais faire avec vous aujourd'hui. C'est pour ça. Ouais, Caroline, c'est pour ça que je me suis lancée en cuisine. J'étais pas bonne en couture, ni en musique, ni en chant. Mais en musique, j'étais bonne en flûte traversière. Mais en chant, je suis pourrie. Mais je suis pas bonne en couture, je suis pas bonne en art. Fait que c'est pour ça que j'étais allée en cuisine. Ouais. Non, en fait, c'est parce que j'aime vraiment beaucoup cuisiner. C'est juste pour ça. Donc, merci Loulou, c'est la robe de Ella, modèle Art Style, puis elle a plein de robes, là. Je vous le dis, là, j'en ai un autre, c'est la robe bambou de Smyrne, genre de choses que tu mets un lundi, t'es super bien là-dedans, version longue, manche longue, courte, en tout cas, elle a plein de beaux stocks, allez voir ça, puis demain, là, je vous l'ai dit, elle fait un live à 10h sur sa page Facebook, Ella, E-L-L-A, mode et lifestyle. Puis elle va faire plein de tirages. Fait que allez-y, sérieux, ça vaut vraiment la peine. C'est tous des produits, justement. C'est évidemment fait au Québec. Là. C'est une fille de Saint-Georges. Son atelier est à Saint-Georges. Vraiment une belle entreprise. Puis je vous le dis encore, allez encourager Anthony. Ça vaut la peine. Honnêtement, avec tout ce qu'on vit, personne n'est à l'abri. Encore moins avec tout ce qu'on vit les derniers mois. Personne n'est à l'abri. Donc, c'est un beau cadeau à se faire. Et ça l'encourage aussi quelqu'un qui a été assez courageux, fort, pour sauver comme ça à des centaines de personnes. Parce que oui, il a manqué de stock, Anthony. Ça fait 3 fois qu'il fait réimprimer. Fait que, hein, il est intéressant, son livre. Puis c'est sûr, moi, que je lis ça très, 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 très bientôt. Même demain matin, peut-être. Ouais, je pense que demain matin, je vais me mettre un petit cadran pour me lever plus tôt pour ça. Donc, commenter et partager, c'est ça, exactement. Oui, Saint-Georges, Valérie Jacques. Attends un peu, ça me dit quoi ce nom-là? Ouais, c'est ça exactement, Monique, le lien de Ella Modelastyle. Francine, il a reçu son dernier magazine de janvier. Super, je suis contente, ça. Donnez-moi des nouvelles aussi si vous l'avez, hein. Mon talent, c'est de la bouffe, exactement. Donc, je vais faire évidemment les tirages après le live. Là, avant qu'on se quitte, on dirait que je vais tout être triste. Ça va être long, il me semble, 2 semaines sans live. Mais, ah, c'est vrai. Peut-être. C'est à redéfinir, je vais vous l'écrire au pire. Peut-être que le 1er janvier, je serai en live. C'est à décider. Faut qu'on check nos affaires un peu. Surtout avec 3 enfants, là. Mais peut-être que le 1er janvier. Fait que 1er janvier, hein, 2021, c'est correct. Je suis légale. J'ai bien dit que c'était le dernier de 2020. J'ai pas dit que c'était le dernier de à toujours. Là. Mais ouais, peut-être que le 1er janvier, je vais être en live, c'est à redire. Mais avant qu'on se quitte et qu'on fasse nos adieux et nos joyeux Noël et nos bisous virtuels, nos câlins, nos accolades, j'aimerais ça que vous me... Caroline, ne nous quitte pas. C'est pas une chanson, ça? Ah, il me semble que ça me tente dans le tête, ça. Ouais, je veux savoir c'est quelle chanson vous aimeriez écouter pendant que je fasse la conclusion du live en vous montrant les recettes. Fait que là, on l'a mis le 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut petit pute. Mais dites-moi quelle chanson vous aimeriez entendre. Qui est évidemment pas triste, là, on veut pas Ave Maria, ok? On veut de quoi qui nous fasse swinguer. Puis finalement, mon invité mystère, ben il sera pas là. C'est vrai, je l'avais dit, hein. Mais moi, il sera pas là parce qu'il est en train de peinturer. Puis, visiblement, il est sûrement pas son meilleur puis il était trop gêné encore. En tout cas, 2021, là, il est mieux. Il est mieux. Donc, dites-moi, c'est quelle chanson que vous voulez qu'on swing la baquette dans le temps, là? Le mot qu'on dit jamais? C'est Jacques Brel. Le temps d'une dingue, c'est vrai. La bottine souriante. Hey, j'en avais mis une. Attends un peu. Hier, j'en avais entendu. Depuis une semaine, je trouve que je me sentais pas assez dans le temps des fêtes. Fait que je vous l'ai pas dit, mais quand je vous répondais à vos messages, je mettais la toune de Noël à fond. Puis là, hier, j'en ai entendu une. Puis j'ai fait, hein, c'est vrai, c'est un vieux classique. Puis là, je l'ai envoyé à mon mari pour être sûre de m'en rappeler, parce que c'est ça, ma mémoire est escalée.
Fait qu'attendez. Voyons, si j'ai envoyé ça. On s'écrit tôt. OK, la poule à Colin. Ce n'est qu'un au revoir. Ah, le Père Noël, c'est un Québécois, ça pourrait être une bonne idée. La poule à Colin, est-ce que vous connaissez ça? La cuisinière, on l'avait déjà mis. Ah, son petit porte-clés, c'est vrai. Hey, c'est quoi, non? J'avais des... J'aurais envie de leur mettre la chanson préférée de mon gars, mais elle est triste un peu, Last Christmas, là. I give you my heart. Ta-ta-na-na-na. C'est ça, je disais, je suis pas bonne en chanson non plus. Son petit porte-clés, tourier, tourier. Son petit porte-clés, tourier, marron. La poule à Colin, il y en a plusieurs qui la veulent. Il y en a qui chantent déjà. On va faire la poule à Colin. Faut que je retrouve. La... Je sais même pas c'est qui. Attends un peu. On va essayer de la retrouver. Ok. C'est la boutine sur Yann, c'est tout. Oh! Je connaissais même pas ce groupe-là avant, genre une semaine. Je suis inculte comme ça. Que voulez-vous? Fait qu'on va te mettre ça de l'ambiance. Hein? On va avoir un beau temps des fêtes. Feliz Navidad, on l'avait mis la semaine passée de mémoire. Un peu. On va te baisser ça, là. On veut pas de pub. Ouais, ça, c'est Noël. Bon Noël, Daniel! Souvenez ces chansons-là. On me fait la bouffe. Je vous vois tout taper des mains à maison, go! Go! Faites-le! Watch! Ah, il me quitte pas, je le sais! Regarde, vous êtes peut-être tout seul à la maison! Là, mes cœurs de bois! Minutes. Une dernière shot, OK? Oh, la petite fille, Annie, qui danse. Oh! T'as des mains! Whoop! Ça finit bizarre, celle-là. Hey, chut! Tais-toi! Bon! Hey, on tape du pied. Ouais, le pied, moi, ça se fouillait, moi. On dirait une enquête de coordination, ça faisait ça de même, là. Fait que, c'est cool, il y a du monde qui t'appelle les mains. Vous êtes vraiment trop hot. Hey, merci d'avoir été au live, le dernier live 2020. Partagez, commentez là, si vous l'avez pas fait, pour gagner les prix qu'on a fait, qu'on a montré tantôt. On était vraiment nombreux, c'était vraiment le fun. Ça a vraiment rajouté de la paix, sans joke, là, dans mon cœur, là. J'avais envie de faire des angoisses tantôt. Parce que oui, ça m'arrive. Puis, tu sais, le début du live, on dirait que je sentais encore, mais là, parti. Merci. Fait que non, là, on commence à le sentir. Là, le temps des fêtes, c'est vraiment le fun. Je suis vraiment contente. Merci, merci, parce que c'est ça. Vous êtes cool, puis vous êtes là, puis vous êtes fidèles, puis c'est vraiment très, très fun. C'est très apprécié. Donc, oh, il y en a qui vont me manquer.
Vous autres aussi, vous allez me manquer. Donc, c'était notre dernier live 2020. Je vais écrire les recettes. Oups. Les recettes de croquettes. Fois quoi? Croquettes dites après le live. Je vais faire les tirages aussi. Je vais vous mettre les liens pour le livre de Anthony et pour Ella, OK? Parce qu'elle va faire tirer des beaux cadeaux demain. Et non, c'est ça. Je vous souhaite vraiment un joyeux Noël. Je sais que c'est un Noël particulier, mais je vais pas finir sur une note de même, là. C'est juste que je sais que c'est un Noël particulier, mais on peut essayer de trouver du plaisir quand même. On peut lire pour se reposer, faire de la bouffe. Ça va être le temps parfait. Voyez, il y en a un qui commence à peinturer, moi je vais faire la bouffe. Fait que, hein, on va en profiter pendant cette pause-là pour se reposer, passer du temps en famille, relaxer, décrocher, juste s'amuser, puis enjoy avec ce qu'on peut avoir et ce qu'on a. Je n'ai pas pris de verre de vin, c'est vrai. Une chance, hein? J'étais assez énervée de même. Ouf, j'ai chaud en plus. Donc, je vous souhaite un très, très, très joyeux Noël. Une très belle année. On va souhaiter une année 2021 plus belle que la 2020, OK? La santé, la paix, la tolérance, la patience. On a grandement besoin en tant que société ces derniers mois. Donc, j'espère que le message va être partagé à tout le monde. puis qu'il y en a qui puissent comprendre ce que je veux dire. Mais c'est ça, qu'on ait tous une belle année, un beau temps des fêtes, qu'on puisse juste être en paix, puis aller au jour le jour et prendre soin de soi, prendre soin des autres, acheter des doses de plaisir aux autres en offrant un cadeau de bouffe ou un petit geste à notre temps, ouvrir une porte, juste l'épaule. Ça peut être n'importe quoi, mais ça peut faire la différence chez la personne en question. Donc, joyeuse fête à tout le monde. Je vous aime bien gros. Ça a été vraiment une année super bien, bien, bien remplie. Mais tellement le fun. J'ai appris à vous connaître avec les lives. C'était tout le temps un plaisir pour moi de faire les lives. Peut-être moins de ramassage après. Mais ça, c'est pas grave. C'est un détail. Là, j'ai un bac de vaisselle qui m'attend. C'est chic demain. Donc, passez un très joyeux temps des fêtes. Je vais continuer à partager sur Facebook. Il y en a que c'est programmé. Il y en a d'autres que ça va être sur le fly dans ma spontanéité du moment. Donc je vous lâche pas, puis on va profiter de cette pause là pour passer du temps en famille, puis aussi se ressourcer, prendre du temps pour dormir si c'est possible, parce que ça a été une grosse année, mais une des plus belles années professionnellement puis personnellement aussi qu'on a eu. Donc merci pour tout ça, merci de votre fidélité, merci de d'encourager notre entreprise. On dirait que je fais un sermon de trophée, mais merci vraiment beaucoup, je le dis, puis c'est sincère au coton, OK, expression 100% pour ça. Donc joyeux temps des fêtes, puis on continue, puis on dit bye bye avec un petit, la musique, elle a stoppé. Donc, joyeux temps des fêtes et on se redit en 2021. Prenez soin de vous. Gros bisous, gros câlins à tout le monde. Bye bye.